Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 9 mars 2021, 16h41 heure du Québec, chers amis. On s'en va faire un tour dans l'espace une fois de plus. Imaginez-vous que la Russie et la Chine prévoient de construire une station spatiale lunaire commune. Ça nous est rapporté par ndtv.com. Wow! Il a indiqué que la station lunaire sera conçue comme un complexe d'installations de recherche expérimentale créée à la surface et ou sur l'orbite de la Lune, rien de moins. Moscou, Russie, la Russie et la Chine ont convenu mardi, et oui, de construire. Donc aujourd'hui, ça vient d'être publié il y a quelques instants, une station spatiale lunaire, alors que Moscou cherche à moderniser sa puissance extraterrestre et à rattraper les États-Unis dans la course de l'espace. La Russie, qui a envoyé le premier homme dans l'espace pendant l'Union soviétique, est en retard sur Washington et Pékin dans l'exploration de la Lune et de Mars. L'agence spatiale russe Roscosmos a déclaré dans un communiqué qu'un mémorandum avait été signé par son chef Dmitri Rogozin et Zhang Gejian de l'administration spatiale nationale chinoise. Il a indiqué que la station lunaire sera conçue comme un complexe d'installations de recherche expérimentale créé à la surface et ou sur l'orbite de la Lune. Il serait disponible pour utilisation par d'autres pays intéressés et partenaires internationaux, indique le communiqué, sans détail sur la date d'achèvement. Malgré son ancienne gloire soviétique, le secteur spatial russe a beaucoup souffert ces dernières années d'un manque de financement et de corruption. Moscou et Washington collaborent dans le secteur spatial, l'un des rares domaines de coopération entre les rivaux de la guerre froide. L'année dernière, la Russie a perdu son monopole des vols habités vers la Station spatiale internationale. Après la première mission réussie de la société américaine de Elon Musk, SpaceX, SpaceX prévoit un voyage sur la Lune qui sera ouvert à plusieurs membres du public. La Chine a exprimé ses ambitions spatiales en lançant l'année dernière sa sonde Tianwen-1, qui est actuellement en orbite autour de Mars. En décembre, la Chine a ramené avec succès des échantillons de la Lune sur Terre dans une première mission de ce type en plus de 40 ans d'histoire. Fascinant, je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça bouge beaucoup.